a peu de temps, tu as lancé le programme Vision de la chèvre. Est-ce que tu peux nous en dire plus? OK, moi, c'est ma mission. Je pense que ce qui me reste à faire aujourd'hui, c'est d'aider les autres à devenir riches. Et j'ai lancé Vision la chèvre avec l'objectif de permettre aux gens d'éradiquer d'abord la mentalité de pauvreté. Parce que ça ne sert à rien de vous lancer dans l'entrepreneuriat, dans les investissements, avec une mentalité qui joue contre toi. C'est le point de départ. Alors, nous voulons qu'on ait un programme mondial d'éradication de la mentalité de pauvreté et d'éducation financière, parce que nous voulons que même nos enfants puissent grandir avec une autre éducation financière, parce que ça, c'est la base pour sortir véritablement de la pauvreté. Et aussi, pour permettre à ceux qui pensent que ça vaut la peine, à tous les comptes, hein, de créer comme un réseau, une synergie. Parce qu'aujourd'hui, vous savez aussi, la richesse, ce n'est pas quelque chose qu'on fait en solo, comme un joueur de football. Même un joueur de football ne fait pas la richesse en solo. Il faut une équipe, il faut des entraîneurs, il faut c'est une dimension que les pauvres ignorent. Et de plus en plus, vous allez voir, les riches, ils doivent. Je m'associe toujours avec d'autres personnes parce que seul, tu ne peux pas. Alors, je Tout voulais à aussi fait. créer une opportunité là de permettre à des gens du monde entier, grâce au réseau, grâce à l'Internet, de suivre des cours dans un cadre organisé. On appelle ça les ambassadeurs de la vision de la chèvre. Ça veut dire quand tu es dans la vision, tu portes ce devoir-là de travailler pour ton indépendance financière, d'acquérir l'intelligence et la mentalité financière, mais aussi de promouvoir cela autour de toi. Et premier objectif, donc, c'est d'abord la formation, l'éducation. Mais deuxième objectif, c'est ce que nous allons commencer en 2021. Ça sera de créer aussi des cadres qui permettent à des gens qui n'ont pas encore de grands capitaux à pouvoir faire des investissements qui leur permettent de gagner l'argent de façon sûre. Parce que ça nous fait mal de. On amène des gens à faire de l'épargne. Parfois, ils tombent victimes de toutes sortes d'arnaques et les gens deviennent découragés. C'est notre devoir de créer des espaces appropriés où les gens. Et vous savez, du génie de Jeff Bezos, beaucoup d'autres personnes se sont enrichies. Jeff Bezos n'est pas 100% propriétaire d'Amazon aujourd'hui. Beaucoup de gens ont profité de son génie. Je crois qu'il n'a que 11% hein, d'Amazon, mais il est très riche. Et il faudrait aussi, que nous puissions avoir des cadres où nous mettons notre intelligence et nos génies ensemble pour créer de la richesse. C'est ça un peu la Merci. vision La de vision la de la chèvre. chair. Il y a des gens, vous tous, vous devez venir dans la vision de la chèvre. Oui. Et soit dit en passant, je précise l'équipe. Jeudi, Ricardo me donne la possibilité de m'exprimer sur la plateforme La vision de la chèvre. Donc, venez massivement, ça va être très, très enrichissant. Mais du coup, Ricardo, comment est-ce qu'on fait pour adhérer à la vision, au programme La vision de la chèvre? Bon, c'est simple, il suffit de contacter quelqu'un qui est déjà ambassadeur. Pour notre cas, si vous êtes ambassadeur, et quand vous ouvrez votre compte dans la plateforme, vous avez un lien pour pouvoir parrainer d'autres personnes. Donc, vous devez envoyer là à cette personne et à partir de ces liens-là, la personne va ouvrir son nez parce que c'est aussi un marketing des réseaux parce que nous permettons à tous qui vendent des livres et tous ceux qui font la promotion de l'éducation financière en retour à gagner une commission hein, qui leur fait aussi une source de revenus. On ne vient pas ça d'abord pour l'argent, mais je crois que c'est une manière pour nous de dire la chèvre peut créer des richesses dans tous les sens. Voilà. Super. Donc, en gros, quand quelqu'un adhère au programme de la chèvre, derrière, il peut réussir à revendre tes livres, si j'ai bien compris, et Voilà, se faire de l'argent. on va pas à pas. Quand tu adhères à la chèvre de ma mère, premièrement, tu vas lire les chèvres de ma mère. Mais comme tu es ambassadeur, tu vas avoir une mini coaching avec moi. Et puis après, tu as un livre de contact que tu vas lire. Tu as les coachings, tu as la formation sur la mentalité financière et l'intelligence financière. Mais le même livre, après, tu peux parrainer d'autres personnes ou tu peux maintenant vendre à d'autres personnes et gagner des commissions. C'est comme ça que notre. Noter, oui, a évolué. L'idée, c'est de dire, bon, voilà, tout le monde peut contribuer à l'éradication de la mentalité des pauvretés. Et nous avons maintenant des ambassadeurs presque dans tous les pays. On veut seulement qu'il y ait des millions d'ambassadeurs. On espère que les gens qui sont venus nous suivre, je vois là-bas des fashion, des gens d'Oscar, Il y a beaucoup de commentaires.
Oui. Tu vois des Abdel Nasser, tous ces gens-là. Comme je crois qu'on est en train de réfléchir de la même manière, et ça serait mieux aussi dans la communauté des ambassadeurs. Voilà. Tout à fait. Dans l'équipe, j'ai mis le lien si jamais vous voulez rejoindre la vision de la chef. J'ai mis un lien là. Donc vous pouvez cliquer dessus et ça vous redirigera directement sur la plateforme, quoi.